à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui. Donc on est ensemble pour continuer notre survie modée. On est sur le mode Farming Valley, vous l'avez en haut à gauche, je vous ai mis la vidéo aussi en description pour savoir comment avoir le mode. Donc la dernière fois qu'on s'était retrouvés en live, on avait construit ça. Et donc c'est une boutique et il y a des trucs à faire, donc vous savez que je suis aussi le livre de quête qui me permet donc d'avancer, d'évoluer dans ce mode. Donc le prochain c'est Build Animal Ranch, alors ça je sais pas tout ce qu'il va nous falloir. En tout cas plus ça va et plus ça devient difficile de construire etc. Et en plus on a des gros soucis de bouffe. Shop. Alors Animal Ranch, il faut 100 bois, il faut 6K. Oh Animal Ranch, donc il faut 100 bois, bah ça je pense qu'on les a, et il faut 6000 pièces, et là regardez j'en ai que 558, ok, bah là on va devoir tout vendre en fait, déjà les cultures on va les vendre, qu'est-ce qu'on peut vendre, réfléchissons, donc il y a toujours les araignées là-dessous, ah peut-être la canne je peux la vendre, je sais plus combien ça rapporte. Moi je vous propose du coup de partir un peu en exploration et d'aller chercher des trucs à vendre. Allez on part à l'aventure. On fait attention, a priori les points rouges sur la map ça montre les monstres, mais ça montre uniquement les monstres vanilla. Alors attendez, il faudrait que je prenne les coordonnées en fait, parce que si je me perds ça va être ultra compliqué. Coucou les gamers. Alors attendez, coucou Tatave. Attendez, les coordonnées c'est moins 576, 65, moins 93. Ok, voilà, comme ça je me perdrai pas. Enfin j'espère, attendez je vais les copier quelque part. Parce que si je me perds, ça va être compliqué. En plus, me connaissant, bon, c'est possible. C'est possible. Oh, il y a une structure ici. Regardez l'araignée, comment elle... Waouh, mon épée est trop bien maintenant. Waouh, elle est trop bien avec le feu. Oh, c'est quoi ici? J'ai envie de... Ah, mais c'est la même structure que l'autre côté. Sérieux? Genre, il y en a partout des structures comme ça ou quoi? C'est un donjon, en gros, avec des araignées et tout. Ah, faut pas que je me perde. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? What? River cane. C'est de la canne, mais de rivière. Oh, what the fuck? Ça se plante. Je vais en prendre un peu. Oh, regardez, il y a une fleur bleue. Loam. Je sais pas ce que c'est, une loam. Ah oui, aussi, on peut voir qu'est-ce qu'on peut faire avec les items en cliquant dessus. Donc, je peux faire une... Ok, on peut faire des pickaxes. What? What? En fait, on peut s'en servir comme des sticks. D'accord, ça remplace les sticks en fait. Ok, c'est chelou. C'est chelou. Ah, elle est moche. De quoi? Quoi donc? Oh, un cochon. Un cochon. Oh, regardez, il était gogol le cochon. Il était gogol. Il était gogol le cochon. Il avait les yeux. Oh, mais je suis bête. Je devrais les ramener à la maison. Quoique, non, je crois pas qu'on puisse faire des carottes. Oh oui, comme ça j'ai la bouffe cuite déjà. Oh, trop bien. Attendez, on va bouffer. Oh, ça va mieux. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est un escargot! Attendez, on va tuer un escargot. Oh oh! Ok, ça ne fait rien. Coucou Alex. Oh mince. Waouh, je suis dans une grotte bizarre là. Du marble. Genre, c'est du marbre la grotte. Oula, désolé. Désolé. La fille, elle arrive, elle inonde la grotte. Super. Allez, on va avancer. Par contre, quand il fera nuit, on fera attention. Oh, il y a du fer ici. Mais du fer, je crois que j'en avais miné déjà pas mal. Du coup, on était... Enfin, ça va, quoi. J'en manquais pas. On avait trouvé des structures et tout, vous vous souvenez? C'était vachement bien. Bienvenue, Psychojo. Bienvenue, merci beaucoup. Salut, Maeva. Coucou. Salut, Bastien. Donc, ce que j'aime beaucoup, moi, c'est dans les modes packs comme ça, qu'il y ait de l'exploration. Parce que ça fait vraiment redécouvrir Minecraft, je trouve. Pose ton seau et récupère de l'eau, ça marche. Merci beaucoup, Mars. Oui, je m'en suis douté que ça fonctionnait. Mais bon, c'est un peu galère quand même. Hey, j'ai des conseils pour toi en modé. Ok. Hop. Alors, je suis désolée, je vais pas pouvoir tout lire. Merci beaucoup, Mars. Merci. Je vais pas pouvoir tout lire. Qu'est-ce que c'est que ça? Toi de stool. Ok. Ça fait quoi? Ça, on peut peut-être cuisiner avec, je sais pas trop. Les escargots drop des slime balls. Ah, ok. Ça, c'est quoi? Un porte-bello. C'est un petit champignon blanc. Ok. Par contre, mon inventaire, il va vite être saturé parce que je ramasse tout ce que je trouve. Donc, je pense que prochainement, il faudrait qu'on fasse un sac à dos. Sac à dos, sac à dos. C'est super beau, là, ce bloc. Mud. Ah, c'est de la boue. D'accord, c'est de la boue. Ah, cette fleur, j'aime bien aussi.
Je ramasse tout ce que je trouve. Là, je suis en train de charger le monde, on n'est jamais venu. Il y a un truc ici, on dirait avec des blocs d'eau, c'est... Merci beaucoup, Mars. T'es passé à côté du berlet, l'orge. Ah, mince. Mince. Ah, des blocs d'eau. Oh, mais ça, faut que je la démonte, cette structure, ça va nous être grave utile, la bonne mille. Je vais tout démonter. Je vais tout démonter, ici. Par contre, j'ai un peu peur des mobs. Oh, l'escargot. Il est trop mignon, le petit escargot. Hop, il y a des loups là-bas aussi. Ah, mais avec les blocs d'os, on peut pas avoir des... On peut avoir que la bonne mille. Ah ouais. On peut pas avoir les trucs. Je vais tout démonter, comme ça on aura masse bonne mille. Là, c'est la richesse. Pour enlever l'herbe toute verte, il faut aller dans les détails, je crois. Et désactiver Better Grass. C'est pas gênant, si? Ça vous gêne, l'herbe verte? Moi, je trouve ça cool. Vous le voyez aussi? Oh non, j'ai pété ma pioche. Mince. Est-ce que j'ai pris de la cobble avec moi pour faire un four? Ok, j'ai que 7 cobbles. Comment on va faire? On va faire une table déjà. Ah, des sticks, j'en ai. Ah, attendez. Flanou, la survie. On va faire une pioche comme ça. Et ensuite, on va les miner. Ah, mais attends, mais est-ce qu'il y a de la cobble au moins? Parce que là, il y avait du marbre chelou. Il y avait des trucs chelous. Attends, c'est peut-être ça l'orge. Ou je sais pas quoi là. Le... Qu'est-ce qu'il me disait? Faut que tu boives. Oui, faut que je boive ou je vais crever. C'est trop chiant de gérer la soif. J'avoue, la soif, c'est chiant à gérer, hein, par contre. Autant la faim, voilà. Déjà, c'est un peu compliqué la faim, mais... Là, c'est un peu compliqué, ça. La soif. Hop. Du coup, je suis obligée de switch. Voilà, c'est bon. On a plus soif. On va bouffer un truc comme ça. On met une torche. Bon, attendez. Je vais prendre de la cobble, déjà. Ah, bah, il y en a ici, de la cobble. Attendez, je me fais une... Je prépare une sortie au cas où il y a un mob. Hop. On va prendre la cobble et on va faire un four et on va faire le fer. On va faire le fer, oui. Wow. J'ai peur. Alors, du coup, on va faire un four. Hop. Un four. Bravo. Bravo, Flanou. J'aurais la fille comme un galère en modé. Ensuite, on va mettre de l'or. Enfin, de l'or. Du fer à cuire et comme ça, je me referai une pioche. Et il y a pas mal de petits cochons, là. On va aller les tuer après. Ces petits cochons-là, ça nous fait de la bouffe. En plus, avec mon épée fire, c'est plutôt cool, la bouffe, là. Hop, meurt. Ah, mais non, mais du coup... Ah, si, ça fait quand même des côtelettes grillées, même si c'est dans l'eau. Tant mieux. Allez, on avance. Oh, par contre, regardez tous les points rouges autour de moi, là. Ça ne me dit rien qui vaille, hein. Ça, c'est tout plein de mobs. Hop, alors, la structure d'os. Ça, c'est intéressant, franchement, en vanilla, d'avoir des trucs comme ça, hein. Parce que ça vous fait énormément de bonne mille. Alors, faut savoir que ça, en vanilla, ça existe, mais en sous-sol. J'en ai jamais vu, moi, personnellement, comme ça, en extérieur. Bon, ça doit être le côté modé. Mais ça existe en sous-sol, ça. Hein. Les PLG. Quoi? Coucou, Emino. Coucou. Ça me fait penser à Mino à chaque fois. Ah, Emino. Donc, on va prendre tout ça. On va peut-être faire un aller-retour, parce que j'ai pas envie de tout perdre, en vrai. Et quand je vois tous les points rouges et tout, là, autour de moi, ça me fait un peu peur. Il faut qu'on trouve le truc aussi que Morse nous a dit, là, le barrel ou je sais pas quoi. Oh purée, mais tellement de bonnes! Tellement de bonnes blocs! Bah là, je crois que je vais prendre, genre, 2 stacks et on va arrêter, parce que j'en aurai jusqu'à la nuit des temps de la bonne mille. Par contre, j'ai pas choisi le meilleur endroit pour faire les chiens. Il y en a d'autres, il y en avait d'autres en surface. Tiens, il y en a un, là. Allez, on prie, on prie! J'espère qu'il... Oh! Au premier coup! Nice! Allez, viens! Oh, trop bien. Attends, bah du coup, on va essayer un autre au premier coup. Attends, vas-y, mon chien, attaque. Pourquoi t'attaques pas? Mais il attaque pas. Il est gogol, le chien. Attends. Oh non, ça a pas fonctionné cette fois-ci. Bon, on a eu de la chance, hein. On a eu de la chance. Attendez, je suis en train de me perdre, là. Ah, mais c'est vrai que j'ai la map, en plus. Et je sais pas très bien faire avec les maps. What? Wow, il y a des fantômes. Il y a des fantômes. Ah. Attendez, est-ce qu'ils sont gentils ou méchants, les fantômes? Regardez, il y a des fantômes! Non, attends, c'est juste... C'est le skin de la... J'ai l'impression qu'ils viennent vers moi, du coup, j'ai pas trop envie de m'approcher, mais... Vous les voyez ou pas, les fantômes? Coucou, Eden! Est-ce que vous les voyez, les fantômes, là? Regardez, là, il y en a un. Non, mais je crois pas qu'ils sont méchants, je crois pas qu'ils sont méchants. Je crois que c'est juste, genre, le skin de la... De la truc. On dirait une entrée de mine. On y va ou pas? J'ai un peu peur. La dernière fois qu'on y est allé comme ça, c'était dangereux.
Oh, il y a l'air d'avoir plein de trucs. Name tag. Oh, mais what? C'est quoi ce truc? Shift. Wow, barbed hook. C'est quoi un barbed hook? Aquaculture. Ok, donc ça, c'est un truc d'un mod. Je sais pas ce que c'est, mais pas du tout. Par contre, il y a pas mal de fer. On va peut-être les récupérer. Oh oui, des golden apples. Quoi? Protection. Attends. Ok, projectile protection. Ok. Ok, de toute façon, pour le moment, j'ai pas de... Ok, mon chien, il m'a fait peur. Tout va bien. C'est quoi le mode Farming Valley en haut à gauche? Et vous avez en description le tuto. Le tuto que je vous ai fait. Attends, pourquoi il est... Il était tellement dur à miner ce fer, j'ai pas compris. Ok, on va prendre un peu de charbon aussi. Parce que c'est vrai que nos torches, là... On a que 5 torches, c'est pas la folie. 2 hours later. Mais pourquoi mes torches, elles dépopent des fois? Ça, je comprends pas. Faut que j'arrose mes plantes. Voilà, on a un troisième chien du coup, cool. Attends, lui et lui, ils peuvent faire des bébés ou pas? Est-ce que vous pouvez faire des bébés? Oh oui, ils vont faire des bébés! C'est trop bien! Est-ce que t'as les yeux? Ok, c'est bon, ils sont pas gogol. Toi, assis. Voilà. Non, j'ai mis 3 milliards de torches, mais bon, c'est pas grave. Ok, donc on va aller poser nos trucs. C'est le bazar. Alors, on va ranger tout ça. Regardez-moi ce bazar, sérieux. Ah, ça, on va le mettre à cuire direct. La bonne mille. Oui, Esteban. Une fois que tu as loupé de l'or, que tu étais en train de... Bah ouais, ça arrive souvent. Appelle ton chien feuillage. Feuillage. Attends, bah du coup, je vais essayer de trouver... C'est comme des roseaux, mais blancs, au bout. Un peu blanc comme ça. Mais pas avec cette forme. C'est quoi, d'ailleurs? Ah, du coton. Ah, bah c'est ça, j'ai eu les graines du coton. D'accord. Ça, on peut peut-être faire des vêtements avec, non? Du coton, logiquement. Oh oui, on a généré un truc, là. Oh oui. Oh, il y a plein de roseaux qui sont morts, là. On va aller voir. Avec la musique, en plus, j'ai peur. Qu'est-ce qu'on a généré? On va enlever ce bloc-là, parce que... Allez, c'est bon. Ah, mais on a encore généré un truc comme ça. Comme le truc qu'on a à côté de chez nous. Sérieux? Oh là là, il y a plein de mobs dedans en plus. Je sais pas si c'est une bonne idée qu'on y aille. Hein. Oh là là, non, on n'y va pas. En fait, j'ai l'impression que c'est une structure commune alors du coup. C'est la troisième qu'on voit. Toujours pas. Faudrait qu'on trouve ce blé là. Cette espèce de blé machin. Oh, regardez, du riz. Encore du riz. Mais comment on l'a, le riz? Je sais pas comment on l'a, par contre. J'ai tout cassé. Farming Valley, oui, voilà, c'est ça. C'est ça, c'est tout à fait ça. Oh, c'est quoi, ça? Ah, c'est un boulot. Ah, bah tiens. Et puis là, c'est des cochons, encore. Mais les cochons, il y en a plein, par contre, hein. Là-bas, il y a des choses bizarres. Ah, c'est des arbres morts. Je croyais que c'était des boules, ça, de loin. Deadwood. Oh, c'est du bois mort. Oh, mais ici, il fait peur, ce biome. Ça a pas l'air très accueillant. Attendez, qu'est-ce qu'on peut bouffer, là? 49% value. Non, c'est pas ouf. 48. Rotten flesh, on peut bouffer. Prends les blocs de dirt qui sont bruns. Bah, pourquoi faire? C'est pas de la dirt, c'est de la boue. V pour les marqueurs et M pour afficher la map. Merci, Morse. V pour les marqueurs et M pour afficher la map. Ok. Bah, la map, ça, je savais. M. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Wouah! Oh, il y a des arbres méga beaux! Attends, on va aller voir ça. Oh! Oh! J'ai trouvé! C'est ça les trucs! Attends, on va aller en chercher. Mais ça, on peut le cultiver ou pas? J'ai trouvé! Ah, faut que je monte! J'ai trouvé, c'est ça! C'est ça, regardez! Barley! Oui, on a du barley! Et ça, on peut le planter! Oh, trop bien! Je suis contente! Oh, je suis contente, je l'ai enfin trouvé! Par contre, c'est quoi ces arbres-là? J'adore! Ah, c'est des maples aussi, c'est des érables! Oh, j'adore! Ils sont trop beaux, je trouve! Attends, on cherchait d'autres! Bon, on fait quoi? On rentre ou on en cherche d'autres encore? Oula! Je suis en train de charger! Trop bien! On l'a trouvé. Oh oui, je vais bientôt crever de soif, là. Oui, c'est méga chiant. Aïe, je prends des coups, en plus. Hein.
Je crève de soif, je crève de soif, c'est génial ma vie. Oh, je suis contente qu'on ait trouvé le truc. Allez, on boit. Je crois qu'on va rentrer maison. Maison. Là, nous. Ouais, rentre. Ouais, je crois que c'est mieux. Là, nous. Téléphone. Pardon. Hop. Allez, on rentre à la maison. En plus, on est full, là. Je suis contente. On a réussi la mission de trouver les trucs. Oh, non. Oh, non. Je devrais arrêter d'utiliser mon épée pour casser la dirt, parce que... En plus, elle a un level, mon épée, et je suis en train d'abîmer, quoi. J'entends des zombies. J'entends des zombies. J'ai cru voir un brocoli. On va essayer de rentrer maison. Maison. Planou. Maison. Maison. Est-ce qu'on taperait pas une ruche? Quoi? Non! Non! Il y avait des potatoes et j'ai tapé dessus et ça l'a tué la potato. Et moi je la voulais. Je suis dégoûtée. J'ai tué une fleur maintenant. Non. La potato. Ah, oh, elles font des particules blanches, elles. J'ai envie d'en mettre partout dans mes jardins. Il va y avoir des milliards de particules, ça va être trop beau. Oh, je suis deg. Oh, il y a des fleurs. Wouah, des fleurs noires. Attends, on va boire un coup. Oh, j'ai jeté mon bidule. Mais oui, la potato, je suis dégoûtée. Vraiment dégoûtée pour la potato. Par contre, les fleurs noires. Wouah, j'adore. J'adore, j'adore, j'en veux des milliards, j'en veux des milliards. J'ai sursauté de ouf. En fait, je savais pas ce que c'était comme mob et ça m'a fait trop peur. Faut que je me calme, hein. Attends, je sais plus ma route maintenant. Purée, j'ai eu trop peur. J'ai eu trop peur. Ah, arrêtez de vous moquer, j'ai eu peur. Alors, voilà mon troupeau de chiens. On va peut-être les faire se refaire reproduire. Attends, on va prendre le truc cuit plutôt. Hop, on va faire ça, ça. Allez, faites des bébés. Vous voulez pas faire des bébés? Ah, ils font pas des bébés. Attends, avec ça alors. Mais reviens, mais où tu vas? Il est parti. Faites des bébés. Oh oui, faites des bébés, c'est bon. Hop, hop, hop. Assis, couché. Couché. Couché, couché. Oh, mais sors de là, j'arrive pas à te... Ils ont pas les yeux gogoles, mais je peux vous dire qu'ils ont le cerveau, par contre. Allez, assis. Assis, c'est bon. Par contre, pourquoi les bébés, ils ont que genre 40% de leur vie, tu sais? C'est bizarre. Alors, on va ranger tout notre bazar. J'ai encore ramené plein de choses. Les fleurs, on ira les planter. Je vais mettre les graines. D'ailleurs, j'ai vu que les graines, j'en ai mis là. Alors qu'on n'a pas trop de place. C'est le bazar. Alors, je vais planter des fleurs comme ça, des fleurs comme ça. Les fleurs noires, ouais, c'est beau. Les maples, bon, bah malheureusement, ils poussent pas. Les vertes, ouais, on va les planter. La dirt, on va laisser là. Le barley, le gold. Et puis, eh bah, c'est pas mal. Le bâton, on va le laisser là. Et puis, du coup, qu'est-ce qu'on doit planter? Elles sont où, les graines, déjà? Le barley, là, je sais pas quoi. Bah, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, elles sont là. J'ai eu peur. Ok, l'arrosoir, il nous faut, pour aller arroser les plantations qui sont dehors, il nous faut la faux, et voilà. Nice! Allez, on va se faire un petit jardin et tout. Hop. Donc, on n'aura pas encore l'animal ranch. Waouh, c'est trop beau. Oh, j'adore. Oh, j'adore les fleurs comme ça. J'adore, c'est trop beau. Attends, toi... Ça, pareil, ça veut pas pousser. C'est un silver, je sais pas quoi, sapling. Ça avait l'air rare en plus comme arbre, mais ça veut pas pousser. C'est dommage. Oh, regardez, elles font déjà des particules, mes petites fleurs. Oh, c'est trop beau, je kiffe. Ça, le maple, pareil, ça veut pas pousser. C'est dommage. Bon, on n'y peut rien. Hop. On va en mettre ici aussi des fleurs. On va mettre des bleus. On va faire bleu, blanche, bleu, blanche. Bleu. Hop, comme ça. En plus, ça fait des particules! C'est trop beau! Ah, dommage, il m'en manquerait une. Alors, ensuite, les noirs.
Ah, on va en mettre comme ça, comme ça. Ouais, c'est pas super esthétique, hein. On va faire genre un parterre. Blanche. Ouais, c'est pas super beau, là, mon truc, hein. Celle-là, elle est un peu moche, la verte. Mais elle fait des belles particules, par contre. Attends. Ça. Ouais, c'est pas beau. C'est pas beau du tout. Bon, c'est pas grave. Ce qui nous intéresse, c'est les particules. Alors, ensuite, des bleus. Voilà. Alors, du coup, hop. Ah bah non, ça, j'en ai besoin. On va essayer de planter le coton. Le coton, je sais pas ce que ça va faire. Oh, ça pousse vite, le machin, là. Ah, le coton, c'est bon. Il veut bien me le mettre. Ok. Par contre, l'eau, ça a pas l'air du tout d'irriguer. En général, l'eau, ça irrigue, mais là, faut vraiment passer par l'arrosoir. Ok. C'est un peu chelou, mais bon. Wouah! C'est devenu une grande fleur. Et les noirs, ça fait quoi? Wouah! Et les verts? Wouah! Oh, mais j'ai envie qu'elles restent petites, celles-là, elles sont mignonnes. Alors, la bonne mille, on va essayer. Ok, ça ne fait rien sur ceux-là. Oh! Ça marche ici. Oh, trop bien. Ouh. Oh, le coton. Oh, le coton, ça marche bien. Oui! Ah, du coup, on va pouvoir faire masse pain avec ça. Oh, je suis contente. Et ça, du coup, on va le foutre en poudre et on va le faire cuire. Hop, voilà. Ça, on aura 38 pains. Super! Hop, on ferme. Non, je vais pas fermer. Je dis on ferme, j'arrive même pas à fermer la porte. Ah, purée. Hop, allez, ça cuit et on va dormir. Du coup, on est à 694, là, thunes. Et il nous faut, je crois qu'il nous faut 3000. Allez, on va retourner dormir. Je vais passer ma vie à dormir, tu sais, pour le truc. Ou alors, on ferme masse pain. Ou alors on ferme masse pain. Je sais pas trop. Parce que le temps que ça cuise et tout... On remarque, le temps que ça cuise, on va farmer avec la bonne mille. On va faire ça. Et je fais des champs immenses. Mais après, on peut pas avoir des esclaves qui nous ramassent les trucs. Ce serait mieux, hein. Ce serait mieux d'avoir des esclaves. Alors attends, on va faire des champs. Immenses. Hop. Limite, faudrait qu'on fasse... qu'on build des champs jolis, vous savez, avec des espèces de... Bon, on verra, on verra. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps de niaiser, il nous faut du pain. Allez, on va vendre le pain. Oh, mais oui! J'ai déjà 2000! Waouh, j'ai eu 2000! Juste avec 3 pauvres pains, là. Attends, bah, je crois que c'est bon, là. Hein. Je crois que si on dort, on les a, les 3000, hein. Mais non, je doutais pas. Oh, 4200! Non, mais je pensais pas que c'était autant rentable, le pain. Genre, là, je suis méga riche, quoi. Et on va acheter l'Animal Ranch. Ah, par contre, il nous faut 100 de bois. Oh, me dis pas qu'on les a pas. Je vais devoir refarmer le... Oh là là. J'espère qu'on les a. J'ai pas envie de refermer le wack. Allez, on va lui donner. On a 4200 en sous. En plus, on est méga riche. Oh, mais il faut encore arroser les plantations. Mais c'est pas possible. Il y a encore un jour qui est passé. Oh, il y a un truc de bois. Ça, apparemment, on peut les faire chauffer. Enfin, on peut les remplacer. On peut les utiliser en combustible. Pour faire cuire nos trucs. Mais les oignons, là, ça pousse plus, là. Bizarre. Alors, du coup, on va lui donner le bois et tout au mec. J'espère que son shop, il est ouvert. Alors, shop. Du coup, on va lui acheter le Animal Ranch. Ah non, mais c'est 6000. C'est 6000, je croyais que c'était 3000. Bah, attendez, il va falloir qu'on revende encore du pain. J'espère que j'ai les 6000. J'espère, je pense pas. Oui, 7500. Oh, mais ça paye trop le pain. Oh là là, le pain OP. Bienvenue Origine officielle Léa, bienvenue, merci beaucoup. Oh, le pain OP. Le pain OP. Oh, mais toi, ton shop, il doit être fermé par contre. Ah oui, il est 6h. Il est 6h, il ouvre à 9h le mec. Donc on va devoir attendre un petit peu. Et ensuite, on va faire l'Animal Ranch. Allez, il est ouvert ton shop. Shop. Animal Ranch, bye. On a le blueprint de l'Animal Ranch. Oh my god, mais c'est un gros bâtiment, ça. Où est-ce qu'on va le mettre, ce truc-là? Il va construire, regardez. Oui, l'Animal Ranch. Regardez, il est en train de construire. Attends, on va débroussailler un peu. Hop. Débroussaille. T'inquiète, je débroussaille. Oh, il n'y a plus rien qui me nourrit, là. Ah, oh, on n'a pas planté nos fleurs bleues. Les fleurs de botanage servent à créer du mana, pas faire un jardin. Ça, c'est typical noob, t'sais. Typical noob, la meuf, elle fait un jardin. Alors qu'en fait, ça sert à faire de la magie et tout. Et la fille, elle est en train de faire un jardin. Oh, j'adore les fleurs.
Typical noob des modpacks. Ah bah je découvre, hein, je débute. Hein. On a tous été noob un jour. Hein. Et on est tous le noob de quelqu'un d'autre. Attends, mais là, il m'a fait des trucs chelous, là. Ok, il est en train de mettre des boutons par la pensée. Ah, il est en train de faire les détails de la maison. Donc voilà, comment build une maison dans un mode. Il nous montre comment faire. Alors déjà, vous faites les bases, ensuite vous faites la structure. Ensuite, bah lui, il a fait l'intérieur en même temps. Lui, il cheat un peu. Normalement, tu fais l'intérieur après. Et après, il fait les détails. Waouh. Donc les petits boutons et tout, les petites trappes d'or. Il met des boutons aussi. Il n'y a pas de porte, par contre. Parce que mes animaux, avec les creepers et tout, j'aime pas trop ça, mais bon. Il met des boutons partout, le mec. C'est bon, t'as fini avec tes boutons? Comment il saute en plus? Genre, hey, j'ai fait un truc, je suis content. Genre, regardez, j'ai mis un bouton. Ouais, j'ai mis un bouton. Alors, il y a écrit quoi? Animal Ranch, ouvert du lundi au samedi, de 10h à 10h du matin à 3h de l'après-midi. Ah oui. Oh, Jim. Oh, bonjour Jim. Ah, oh, je suis heureux que vous m'ayez invité ici. Je suis Jim, au fait. Je tiens le ranch des animaux. L'animal ranch, ici, quoi. Salut, Will. Pour remerciement, j'ai une vache pour toi. Quoi? Je veux épargner une vache pour toi. Comment on prend soin des... Est-ce que tu sais comment on prend soin des vaches? Je lui ai dit non, apprends-moi, blablabla. Donc, il dit, ok, je vais t'enseigner. Alors, les bases sont faciles. Ce sont ces gros animaux ont besoin d'être nourris et aimés. Ok, depuis quand faut aimer les vaches? What? Ils ont aussi besoin d'être propres. Et si tu veux qu'ils restent en bonne santé. Ok, ça je comprends. Elles aiment manger fodder, je sais pas ce que c'est. Fodder, ça va être le truc à bouffe. Tu peux leur donner à manger à la main, ça donne un bonus en gros. Pour montrer aux vaches que tu les aimes, il faut leur parler. What? What? Pour montrer aux vaches que tu les aimes, il faut leur parler en cliquant, en faisant un clic droit sur elles. Ensuite, elles te montrent qu'elles t'aiment en retour. Ok. C'est très malaisant, mais bon. Fais la même chose en les brossant. Ok, mais cette fois, tu peux les brosser à la main. Et comme ça, elles sont propres. D'accord. Un fodder, c'est le fourrage. D'accord, merci. Très bien. Bon, bah, nourris-les et rends-les propres, quoi. Oh, 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 elle est trop cute. Oh my god. Oh my god, j'adore cette vache. Il faut que je fasse un screen avec elle. Oh, je la trouve trop mignonne. Oh, elle est trop mignonne. Oh, j'ai trop envie de l'aimer. Là, c'est vrai que pour le coup, j'ai envie de l'aimer, la vache. Oh, elle est trop mimi. Oh, je la trouve trop mimi. Attendez, j'arrive pas à faire un screen. J'arrive pas à faire un screen, mais je la trouve trop cute. Ah, c'est bon, j'arrive à faire un screen. Oh, elle est trop mignonne. Elle est trop mignonne. Oh, je t'aime trop, petite vache. Elle est trop mignonne. Oh, regardez. Regardez sa petite tête. Oh, je fais plein de photos. Je la mettrai sur Instagram. Oh, t'es trop mimi. Oh, elle est trop chou. Oh, mais comment je vais faire pour la protéger? Oh, je l'aime trop. Reviens. Non, reviens, je t'aime. Reviens. Reviens, je t'aime. Oh, elle est trop mignonne. Comment on l'a fait entrer? Attends, non, je vais te faire entrer. Pousse, allez. Rentre là-dedans. Oh, elle est trop chou, j'aime trop. Elle est trop mignonne. Donne-lui des coups d'épée. Non, c'est mort, je la tue pas. Elle est trop mignonne. Un bon steak. Non, arrêtez. Elle est trop mimi. Je veux pas la tuer. Oh, j'ai jamais rien vu d'aussi mignon. Oh, à part les brocolis. Oh, elle est trop cute. Oh, je suis fan de la vache, là, ça y est. Par contre, elle a un gros nez, mais elle est trop... Oh. Bah là, c'est sûr que je comprends mieux qu'on doit l'aimer et tout. Ok, il faut lui donner à la main de la bouffe. Ok. Toi, tu vends de la bouffe ou pas, s'il te plaît? Parce que je crois qu'elle va mourir. Je suis du Texas. Mais on s'en fout, toi, de ta ville. Moi, je veux nourrir ma vache. Bon, d'où il va? Oh, elle est trop mignonne. Tiens, est-ce que tu veux manger ça? Tu veux pas manger ça? Est-ce que tu veux manger ça? Oh non, du fourrage, c'est ça! Oh, du fourrage! Tiens, mange du fourrage. Ensuite, faut cliquer sur elle pour lui dire qu'on l'aime. Oh, je t'aime, vache.
Je t'aime. Mmh. Non, mais j'avoue, quand on lisait, c'était chelou. Mais là, regardez, je suis en train de l'aimer, la vache. Regardez elle-même. Ah, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Ah, sérieux, je suis hyper impressionnée de la cuteness de la vache, quoi. J'ai envie d'aller avec elle, de dormir avec elle et tout. Elle est trop chou. Mais trop choupi. On dirait une figurine pop avec sa grosse tête. Elle va se faire capturer par des zombies. Non, c'est mort. C'est mort, vous laissez ma vache tranquille. Regardez la queue. Elle a une queue de hamster. Là, je suis en train de lui dire que je l'aime. Oh, je t'aime, vache. Oh, elle est trop mimi. Je suis trop contente d'avoir une vache. Oh là là, là, c'est le plus beau jour de ma vie. J'ai une vache dans Minecraft. Oh, purée. Bon, attendez, on va refaire le truc. Je vais lui remettre son foin, là, parce que je lui ai tout défoncé. Et du coup, on a du fourrage pour elle, pour lui donner à manger. J'avais pas un coffre qui traînait. On va en refaire un. On va le mettre là-bas pour la nourrir, le fourrage. Oh, c'est trop... Franchement, Ah, j'adore. Oh, il est trop bien, le spruce chest. J'avais pas vu que, selon les bois, on pouvait faire... Non, mais qu'est-ce que tu fais? Non! Rentre! Oh là là, mais non, elle est déjà fugitive. Mais comment ça se fait? J'ai des problèmes avec les animaux fugitifs, moi. Pourtant, je t'aime, vache. Faut que tu restes à la maison, d'accord? Bon, en tout cas, vous aurez vu la vache trop chou. Je suis hyper contente. Franchement, je suis hyper contente de tout ce qu'on réalise sur ce modpack. C'est peut-être pas grand-chose, mais on avance vachement bien, je trouve. En plus, c'est ma première fois en modé, donc je suis contente de réussir à réaliser les objectifs. J'espère que ça vous aura plu. On continuera donc d'avancer sur ce mode sur les lives, du coup. Les lives comme ça, pas prévus, où vraiment je lance le live et on joue. N'hésitez pas d'ailleurs à installer mon extension si vous voulez rater aucun live. Vous l'avez en description. L'extension, en fait, c'est très simple, elle se met sur Firefox ou Chrome, en fait, à choisir selon le navigateur que vous utilisez le plus. Moi, je l'ai sous Chrome, et comme ça, vous êtes prévenu des lives, et ça sert à n'en rater aucun, parce que c'est vrai qu'en ce moment, les notifications YouTube ont tendance un petit peu à bugger, donc voilà. Bisous, prenez soin de vous, passez une excellente soirée, bye bye.